Et au moment Bonjour à tous, bienvenue dans ce live exceptionnel. Nous sommes en direct, forcément, puisque c'est un live du ministère des Solidarités et de la Santé. C'est un direct tout à fait spécifique parce que, évidemment, la salle est vide. Mais vous êtes nombreux à nous suivre sur les plateformes d'information de CNews.fr, les réseaux LinkedIn des entreprises pour la cité, par exemple, mais aussi sur le YouTube du Psychodon. Nous consacrerons ce live à la divulgation des résultats du sondage santé mentale en France et dans les entreprises, un sondage qui a été opéré par OpinionWay. Je recevrai Olivier Véran, qui nous reçoit à son tour ici, ministre des Solidarités et de la Santé. Laurent Pietraszewski est déjà avec nous. Bonjour, monsieur le ministre, secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Et vous êtes en charge des retraites et de la santé au travail. Tout au long du live, je serai brillamment accompagné par Luc Badroit. Bonjour, vous êtes directeur général de l'Institut de sondage OpinionWay et vous avez réalisé ce sondage auprès d'un panel de Français. Et tout à l'heure, nous comprendrons exactement la méthodologie. Et puis, nous rejoindrons en visio, contraintes sanitaires oblige, des chefs d'entreprise qui réagiront, apporteront leurs observations. Stéphane Roussel, qui est le CEO du groupe Vivendi, qui est le président du réseau Les Entreprises pour la Cité. Philippe Dordano, président du groupe Sisley, qui est le président également du METI, vous le savez, ce sont les entreprises de tailles intermédiaires. Patrick de Saint-Jacob, qui est directeur général France RSE d'Orpea Clinéa, qui est un leader mondial du soin et en particulier des maisons de retraite, leader mondial français des maisons de retraite. Jean-Pierre Hermelein, qui est avec nous également, directeur de la Fondation Décathlon. Jean-Marc Richard, président de l'entreprise Amipi, qui est exemplaire sur les territoires en matière d'insertion de personnes en situation de maladie psychique ou de handicap psychique. Alors commençons, si vous le voulez bien, Luc Balroy, par nous dire comment ce sondage santé mentale en France et dans les entreprises a été administré par OpinionWay. Quelle méthodologie, pour quel profil de panel? Bonjour à tous. Une méthodologie, je dirais, assez classique. Nous avons interrogé alors un panel assez conséquent, hein. Plus de 1000 personnes qui ont été interrogées, qui sont des salariés du secteur privé et qui est un échantillon représentatif de cette population. Donc, ça veut dire qu'il est structuré, ce qu'on appelle sur la méthode des quotas, en termes d'âge, de sexe, de catégories socio-professionnelles, mais aussi, puisque le but c'était qu'il soit représentatif du tissu des salariés français, sur les tailles d'entreprise et les secteurs d'activité. J'imagine, Laurent Pietraszewski, bonjour, hein, je vous salue, que ce sondage, vous qui vous intéressez à la santé et à la santé mentale des collaborateurs dans l'entreprise, va beaucoup vous intéresser. Oui, bien sûr. Et puis, vous avez, dans le lancement de votre émission, souligné le rôle des employeurs en invitant un certain nombre. Et donc, je crois que là, il y a matière à débattre et à mettre en avant, je crois aussi, toutes les belles initiatives qui ont été mises en place. C'est une occasion assez inédite, ce live dédié à la restitution du sondage OpinionWay santé mentale en France et dans l'entreprise. Inédite en deux points, parce que deux ministres, la santé et le travail, sont réunis sur ce sujet, la santé mentale. C'est vous dire combien c'est un défi de santé publique majeur. Et puis, c'est aussi inédit parce que le public et le privé, même s'il y a de la visio et du plateau à cause des contraintes sanitaires, s'intéressent ensemble à ce sujet. Lorsqu'on interroge le panel représentatif de Balroy, il ressort en fait que la santé mentale est associée souvent à certains mots-clés et aussi à une représentation quantitative qui n'est pas toujours la bonne. Et peut-être pouvez-vous nous donner ces premiers éléments quali et quanti. Alors effectivement, on a commencé par une question d'introduction pour connaître l'univers des vocations, des représentations qui étaient associées à la santé mentale. Et en fait, le vocabulaire utilisé, les mots utilisés
pour évoquer ce sujet tourne autour de deux choses. Un, le type de maladie, le type de pathologie, avec des définitions et des mots plus ou moins précis. Mais ce qui ressort en premier, c'est effectivement la dépression. On voit aussi la folie, le burn-out, le stress, la schizophrénie et des disciplines, essentiellement la psychologie et la psychiatrie, avec un mot pivot dans tous ces mots, qui est le bien-être. Et finalement, on est assez proche de la définition que donne l'OMS de la santé mentale, c'est-à-dire une perte d'équilibre qui ne me permet plus de gérer convenablement ma vie comme je voudrais le faire. 4 personnes sur 10 présenteront au moins un épisode dépressif durant leur vie, et plus pour les jeunes. Alors, c'est quand même un chiffre très, très impliquant, très signifiant. Alors, tout à fait. Quand on demande aux Français combien de personnes, vous pensez, sont aujourd'hui en situation de santé mentale, enfin de problèmes de santé mentale ou psychologique, ils nous disent que 29%, selon eux, des Français en moyenne sont atteints, ce qui est une surreprésentation de ce qu'est la réalité. Mais on peut bien imaginer, évidemment, que le contexte dans lequel se passe cette enquête, avec les confinements multiples plus ou moins stricts, l'isolement pour certains, avec des fractures au sein de la population, a réveillé une sensibilité sur ces sujets, en voyant autour de soi, ou peut-être même pour soi-même, des gens en difficulté. Monsieur le ministre. Oui, d'abord peut-être dire qu'il y a sans doute une grande diversité de situations. Moi, je crois, je l'ai bien vu dans le travail que vous avez donné à voir là. Le mal-être au travail, c'est une diversité de situations. C'est évidemment, ça renvoie à son histoire personnelle, mais aussi à son écosystème. Dans cette situation de crise sanitaire que nous vivons, peut-être on peut poser déjà quelques sources de ce mal-être au travail. Il y a une inquiétude des salariés. Moi, je le vois parce que je suis toutes les semaines dans des entreprises, dans des services de santé au travail. Il peut y avoir une inquiétude des salariés, tout simplement pour leur santé. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils seront ou pas vecteurs de la maladie ? Est-ce qu'ils seront concernés par la maladie ? Et cela, ça peut être aussi bien d'ailleurs à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur de l'entreprise. Être vecteur pour sa famille, c'est une première source d'inquiétude. Il y a certainement une deuxième source d'inquiétude autour de l'avenir pour chacun. Et donc, notre capacité à nous projeter dans notre vie privée comme dans notre vie professionnelle. Quid de mon emploi demain ? Est-ce que mon entreprise va bien ? Est-ce qu'elle va passer ce cap de la crise sanitaire ? Et là aussi, nous voyons qu'il y a sans doute une inquiétude qui peut survenir. Il y a un troisième sujet qui est, je crois, aussi important, c'est celui de l'évolution des organisations de travail. On va sans doute en parler dans quelques instants. On voit bien que lorsque j'ai dû travailler de chez moi, dans cette notion de travail distanciel avec des outils numériques, eh bien, je me suis trouvé confronté à des changements, à des bouleversements dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle. Et le quatrième point, et j'arrêterai là, c'est celui du lien social et du collectif que nous vivons tous au travail, et comment est-ce que nous pouvons travailler, recréer cela lorsque nous sommes à distance. Je vous rends le micro. Et c'est vrai que toutes ces questions sont en trame de fond. Aujourd'hui, bien sûr, c'est une sorte de balayage du sujet. Nous n'aurons pas l'opportunité, avec le temps qui nous est imparti, de rentrer dans des expertises et d'apporter, et d'ailleurs nous n'avons pas, j'imagine, la légitimité d'apporter des réponses concrètes, mais au moins de poser les bonnes questions. Et ce que vous avez fait comme travail avec OpinionWay, c'est que finalement, vous avez structuré la restitution de ce sondage d'une façon assez intéressante en 3 temps, un paradoxe, un tabou et des perspectives, ce qui nous aide à bien comprendre la situation. Et peut-être que nous pouvons commencer par parler de ce paradoxe en 2 mots, et on fera réagir tout de suite derrière Stéphane Roussel. Tout à fait. Alors, sur le paradoxe, c'est celui de la responsabilité de l'entreprise. Et telle qu'elle est perçue par les individus. Alors, ce qui est, ce qu'il faut avoir quand même en tête, c'est que effectivement, d'un point de vue socio-culturel, le travail occupe une place centrale aujourd'hui dans l'esprit des individus, même si aujourd'hui le travail dans nos sociétés ne représente que 15 à 20% de notre temps de vie éveillé sur toute une vie. Mais ça occupe une place centrale et structurante. Et on a un chiffre là, un premier chiffre qui nous a étonnés, c'est qu'on a 76%, c'est-à-dire 3/4 des individus,
qui nous disent que les employeurs sont responsables de la santé mentale de leurs salariés. Et ça, c'est quand même un des chiffres forts de ce sondage. Et nous allons tenter un exercice technique des plus habiles, rejoindre Stéphane Roussel en visio. Et je suis sûr que tout cela va exceptionnellement bien fonctionner, extraordinairement bien fonctionner. Stéphane Roussel, qui est à la fois le CEO du groupe Vivendi, un groupe international déployé dans les métiers de la musique et de la communication, mais aussi dans les métiers du numérique. Et il est aussi le président d'LEPC, le réseau des entreprises pour la cité. C'est vous dire que les plus de 200 membres de ce réseau d'entreprises sont concernés par la santé mentale de leurs collaborateurs. Est-ce que, Stéphane Roussel, vous êtes avec nous? Et si oui, j'ai une première question pour vous. Bonjour Stéphane Roussel. Bonjour Didier. 76% des salariés du privé déclarent que l'employeur est le garant de la santé mentale de ses collaborateurs. Quelle est votre réaction? Ma première lecture, pour dire ce qui a été dit auparavant, c'est qu'en France, finalement, les sujets autour des troubles psychiques sont assez tabous. Donc, je dirais que les personnes en difficulté en France vont moins facilement voir un soutien, un psychologue dans la sphère privée que dans d'autres pays anglo-saxons en particulier. Donc, en fait, l'entreprise est aussi le lieu où peut se traiter ces sujets-là, quand bien même ils ne concernent pas l'entreprise. On l'a bien vu dans des situations quand même tendues, de plans sociaux, etc., où ont été mis en place des veilles psychologiques et les appels, ils sont anonymes bien sûr, mais dans une institution collective, il ressort que beaucoup d'appels ne concernent pas l'entreprise. C'est-à-dire que, encore une fois, ce manque de lieux d'accueil autre qu'entreprise pour le soutien psychologique, par certains aspects tabous et peut-être par manque de ressources, fait qu'on se retourne vers l'entreprise. Alors, il y a attention de ne pas sauter le pas facilement en se disant, bon, bah donc si c'est l'entreprise qui répond, c'est qu'elle est responsable. Non, bien sûr, quand quelqu'un a une difficulté psychologique, il n'est pas compliqué de démontrer que c'est un ensemble de choses, c'est que son mal-être, c'est une combinaison entre sa vie privée et, bien sûr, souvent sa vie professionnelle. Mais évidemment, il ne faut pas en déduire que l'entreprise est responsable. Elle est responsable dans le sens deuxième du terme, c'est-à-dire qu'elle est responsable de trouver les moyens de soutenir ses collaborateurs, mais pas responsable sous le sens de la culpabilité. Enfin, c'est une responsabilité partagée. Je lirai les choses. Et... voilà, tout à fait, c'est une co-responsabilité. Par contre, compte tenu de ses moyens et de son rôle, l'entreprise, à mon avis, se doit de créer une veille d'écoute continue et pas seulement dans les situations difficiles. Ça fonctionne très bien. Alors, ça peut être très simple avec des numéros verts, mais ça peut aller un peu plus loin avec des psys en ligne. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font là-dessus. Mais en tout cas, surtout après la pandémie, je pense que beaucoup de ces processus vont être mis en continu et pas seulement dans les cas un peu douloureux de transformation de l'entreprise. C'est un peu comme ça que je vois la suite. Et c'est heureux parce que finalement, encore une fois, parfois on peut traiter de sujets même s'ils n'ont pas de rapport direct avec l'entreprise, qui n'aurait pas été traité en dehors. Est-ce que vous pensez que la crise Covid a fait prendre conscience, et par exemple aux dirigeants d'un gros groupe comme le groupe Vivendi, que la santé mentale était un enjeu majeur pour l'entreprise? Est-ce que la Covid n'a pas été un catalyseur en démontrant finalement que cette anxiété, cette potentialité déprime ou versus maladie psychique due à la tension sanitaire et économique, c'est pas l'opportunité de se dire bon bah prenons à bras le corps la question de la santé mentale en entreprise? Si, bien sûr, c'est un accélérateur au minimum. Un révélateur maximum, je dirais. Et ça amène donc à des mesures. Alors évidemment, on parle beaucoup du télétravail. On est passé d'un côté du cheval à l'autre en disant « Oh, le télétravail, c'est génial. Voilà, on rééquilibre sa vie personnelle professionnelle. » Puis on s'aperçoit que pour certains, c'est pas du tout, c'est l'enfer, évidemment, parce que vous êtes dans un petit appartement à être instituteur en plus de professionnel. Et puis pour d'autres, c'est plutôt un lieu où les personnes se retrouvaient. C'est pour ça que, et je trouve que le gouvernement a bien fait de ne pas légiférer là-dessus, essayer de se dire qu'après le Covid, on va gérer le télétravail un peu comme on gérait les RTT en disant on va faire tant de jours par semaine, c'est une hérésie. Parce que, évidemment,
selon chaque fonction, selon chaque situation psychologique, selon chaque situation sociologique de l'individu, évidemment, ce n'est pas la même réponse. Donc, je pense qu'on n'est pas tombé dans le piège, j'espère que ça va continuer comme ça, à essayer de trouver une solution uniforme pour le monde entier. Mais il y a eu un révélateur, effectivement, de mal-être. Et qu'est-ce que pourrait être le bien-être futur aussi, hein ? Il y a un côté positif également. Vous pouvez poser vos questions sur le YouTube du Psychodon ou sur la plateforme cnews.fr. Et les modérateurs qui travaillent avec nous m'enverront dans la mesure du possible les questions récurrentes. Idem pour les journalistes. Mathilde, notre attachée de presse, est ici. Elle gérera vos demandes de questions et nous en prendrons quelques-unes à la fin. Luc Balroy, la deuxième responsabilité qui incombe à l'employeur dans ce sondage, derrière la gestion financière, c'est d'offrir un lieu de travail propice au bien-être des collaborateurs. C'est-à-dire, il y a une vraie pression, finalement, des salariés sur les employeurs et dans l'entreprise, une exigence au regard de leur manager. Et ça aussi, c'est un chiffre assez étonnant. Oui, alors, on avait plein d'items qu'on proposait aux interviewés sur qu'est-ce qu'est la responsabilité aujourd'hui d'un employeur. Évidemment, la première, c'est la bonne gestion financière pour conserver et l'emploi et l'entreprise, bien évidemment, avec à 70%. Mais très vite derrière, la deuxième, vous avez raison de le dire, à 59%, c'est effectivement celui de gérer cette préoccupation et de gérer le bien-être au travail, la qualité de vie au travail, sur lesquels il y a une attente extrêmement forte des salariés. Et nous, on le voit bien aussi, probablement souvent aussi des plus jeunes, avec une notion de bien-être qui est une notion plus élargie que juste faire attention à la santé mentale. Hein. En deux mots, quand même, hein, la notion de bien-être, elle couvre plusieurs notions. Elle recoupe la notion de la charge de travail, elle recoupe la notion de la reconnaissance, elle recoupe la notion du sens et de l'utilité de mon travail. Elle va aussi dans le sens de la fierté de l'entreprise. Et puis, évidemment, la convivialité. Tout à l'heure, Stéphane Roussel le disait, il ne s'agit pas seulement de mettre des plans de fer et un baby-foot. Nous-mêmes, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Nous, c'est quelque chose que nous suivons au sein de l'entreprise, le bien-être au travail, par un baromètre qu'on a mis en place il y a 5 ans. Et on analyse toutes ces dimensions, parce que effectivement, mais la convivialité en fait partie. Et dans ces temps de télétravail, trouver des moments de convivialité ensemble sont difficiles. C'est quelque chose qui manque. Et là-dessus, il y a des attentes fortes des salariés. Et c'est en cela qu'on peut parler de paradoxe, c'est-à-dire il y a des attentes fortes des salariés qui disent finalement la santé mentale, c'est l'affaire de l'entreprise, c'est l'affaire de l'employeur. Et puis de l'autre côté, tu as des entreprises qui sont quasiment démunies ou vierges de tout dispositif parce que moins d'un tiers d'entre elles mettent en place des actions pour favoriser le bien-être au travail ou s'intéresser à la santé mentale des salariés. C'est un vrai paradoxe et c'est le premier élément qui est révélé dans ce sondage. Un paradoxe qui, j'imagine, interpelle particulièrement une très grande enseigne de notre pays, l'enseigne Decathlon. Nous allons retenter l'exercice technologique qui a très bien fonctionné tout à l'heure et rejoindre Jean-Pierre Hermelein. Jean-Pierre Hermelein, qui est le directeur général de la fondation Decathlon et qui est aussi, et qui a été longtemps, le DRH de l'enseigne. Bonjour. Est-ce que vous avez pu nous suivre ? Et alors que tous les magasins Decathlon sont fermés sur les territoires, on le comprend bien, les managers, les vendeurs passionnés de sport dans leurs rayons sont privés des relations avec leurs clients, sont privés de se rendre à l'ouverture des magasins Decathlon pour partager leur joie du sport et leurs compétences. Et tout cela n'est pas sans effet sur la santé mentale des collaborateurs, Jean-Pierre Hermelein. Oui, bonjour Didier Mayeran, bonjour à tout le monde. Effectivement, vous l'avez bien décrit, cette situation déjà en temps normal, cette problématique de la santé mentale est selon moi, sous-estimée déjà. Donc vous imaginez bien avec la Covid, comme elle s'est accentuée. Nos clients, le grand public, sont tendus, sont angoissés, se posent beaucoup de questions et par ce biais, nos salariés le sont aussi. Donc, il a été très, très important pour nous d'apprendre de la première et de la deuxième vague
Et c'est pourquoi on a voulu vraiment mettre en place en permanence des points de contact avec nos équipes. La difficulté, c'est de passer du on au off, c'est-à-dire de travailler, d'arrêter de travailler, d'être en présentiel, ensuite d'être en télétravail. Donc, pour nous, il était très important dans nos plans d'action de mettre en place ces points de contact individuels et collectifs. Stéphane Roussel en a parlé, on a encore développé une plateforme d'accompagnement vers nos salariés. Ça veut dire que tous les salariés de l'enseigne Decathlon en France ont accès à cette plateforme d'accompagnement pour prendre en œuvre, en charge, leur bien-être au travail, leur santé mentale au travail. Vous avez déjà investi des moyens. Complètement, et c'est important. Et ça va du magasinier au vendeur, au responsable de rayon, jusqu'au manager et jusque, j'allais dire, au PDG. C'est vraiment toutes nos équipes qui ont accès à cette plateforme, qui a mis en place cette plateforme qui leur permet d'avoir des cellules d'écoute vers l'interne, mais aussi vers l'externe, avec des partenariats qu'on a mis en place avec des assistants sociaux, mais aussi avec des psychologues, avec la Croix-Rouge. Donc pour nous, ça a été très, très important de mettre ça en place parce que on a réalisé que cette problématique était largement sous-estimée et qu'elle s'était complètement, comme je vous le disais, accentuée à cause de la COVID. Merci Jean-Pierre Hermelin. Vous restez avec nous, bien sûr, et puis nous reparlerons tout à l'heure de comment est vécu cette période par les collaborateurs de l'enseigne Decathlon en France et ailleurs dans le monde. J'imagine que c'est la même problématique pour tous vos magasins. Nous a rejoint Monsieur le ministre Olivier Véran. Bonjour. Nous parlons de santé mentale. Bonjour. Et c'est un sujet, la santé mentale des Français et la santé mentale en entreprise, que vous prenez à corps. Maintenant, c'est rentré petit à petit dans une sphère importante, c'est un vrai défi de santé publique. Comment vous observez ce défi majeur de santé publique, qu'est la santé mentale des Français et la santé mentale en entreprise? La santé mentale est un défi pour les Français, mais il est un défi aussi pour les Européens et pour la plupart des habitants de la planète. Un défi qui a été encore, je dirais, complexifié, rendu plus ardu et plus imminent par la crise sanitaire. On ne peut pas le nier, il y a des indicateurs qui en parlent. Dans tous les milieux, on a beaucoup parlé, et à juste titre, de l'enjeu de la santé mentale dans le milieu étudiant, par exemple. Mais on sait bien aussi que dans la période particulière que nous connaissons, avec un télétravail qui peut parfois être mal vécu dans la durée, le problème de santé mentale touche, concerne aussi le milieu des entreprises, mais aussi le milieu des indépendants qui ont vu leur commerce fermé pendant des mois, le milieu des artisans. Et tout cela nous oblige, puisqu'il faut à la fois être capable de se doter d'outils de détection, de dépistage, de prise en charge, d'accompagnement dans la durée. Alors, on vient de l'entendre avec le directeur général de la Fondation Decathlon. C'est une vraie épreuve que tous les magasins Decathlon soient fermés sur le territoire. Et c'est une épreuve pour la santé mentale des collaborateurs. D'ailleurs, on voit le bout du tunnel, peut-être, Olivier Véran. Les magasins Decathlon, comme d'autres, vont bientôt réouvrir. Et j'en suis très heureux, étant moi-même client régulier des magasins Decathlon. Alors, quelle est la date de réouverture? Voir si nous avons bien compris les mesures de déconfinement. Quelle est la date de réouverture des magasins Decathlon? C'est la date de réouverture des magasins Decathlon, c'est le 19 mai, c'est-à-dire avec l'ensemble des commerces. Et puis, quelques semaines plus tard, rouvrirons les salles de sport, ce qui amènera encore des clients supplémentaires dans les Decathlons. Mais va pouvoir reprendre, Jean-Pierre Hermelin. C'est une bonne nouvelle. Qui aurait imaginé que ce live dédié à la santé mentale soit en même temps l'occasion de très bonnes nouvelles pour le business d'une grande enseigne comme Decathlon? Mais c'est surtout une très bonne nouvelle pour nos utilisateurs et pour le grand public, parce que je reste persuadé, et je sais que Monsieur le ministre me rejoindra, que le sport et l'activité physique adaptée est essentiel pour la santé mentale. Alors les entreprises... Oui, vous êtes. Non, on a besoin d'activité physique, on a besoin d'aller dehors, on a besoin de se retrouver.
on a besoin de faire du sport en salle, à la montagne quand on a la chance d'être grenoblois, à la mer, pourquoi pas. On a besoin de faire ces activités qui sont aussi des activités sociales. Souvent, on se retrouve, on se rassemble pour faire du sport. Et donc, c'est un outil indispensable du bien-être. Et le bien-être est un outil indispensable de la santé mentale. Alors, un Français sur quatre, vous le savez, souffre d'une maladie psychique. Et les chiffres actuellement sont assez alarmants, puisque 20% des jeunes présentent des troubles dépressifs. Mais vous le voyez, au-delà de ces chiffres qui sont inquiétants, nous tentons encore aujourd'hui et sur la plateforme CNews.fr de faire passer des messages positif. Et comme tous les dimanches, j'essaie à mon petit niveau de vous partager sur nos antennes des messages positifs. Alors dans ce paradoxe, Luc Balroy, il y a le fait que les entreprises sont démunies, les dispositifs finalement sont très peu déployés, hein, psychologue d'entreprise, atelier bien-être, formation au secourisme à la santé mentale ou ligne téléphonique d'urgence, et de l'autre côté, des attentes très très fortes des collaborateurs. Est-ce que cette pression n'est pas de nature finalement à créer un rebond pour que la santé mentale entre pleinement comme un défi de santé publique, mais aussi comme un défi à intégrer dans l'entreprise au quotidien, et que là aussi il y a du bon, c'est une opportunité? D'abord, il y a une fracture hein, entre les petites et les grandes entreprises dans la mise en place des dispositifs. Évidemment, dans les grandes entreprises, on a une part plus importante. On monte à plus de 40% dans les entreprises de plus de 200 salariés qui ont mis en place des dispositifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que les dispositifs mis en place tournent beaucoup autour de la gestion de crise, hein, c'est-à-dire une ligne d'écoute, de la sensibilisation, mais qui est très marquée sur les crises fortes, alors que les attentes des salariés sont presque inversement proportionnelles. C'est-à-dire, ce qu'ils attendent d'abord, c'est de la prévention et un cadre qui favorise le bien-être au travail. Donc, je pense que ça, c'est un message à entendre. C'est-à-dire, oui, bien évidemment, on doit mettre en place un certain nombre de dispositifs, de moyens qui permettent de gérer la crise quand elle survient. C'est-à-dire, quand je dis la crise, c'est la difficulté, l'impossibilité à un moment donné du salarié d'exercer pleinement son travail parce qu'il est en burn-out ou qu'il rencontre des difficultés. Mais l'important, c'est la prévention. Et c'est donc tous les dispositifs d'encadrement, de veille, de vigilance et surtout d'encadrement de ce bien-être au travail. Monsieur le ministre Laurent Pietraszewski, vous souhaitez réagir. Je vous vois être interpellé par ces dispositifs. Oui, d'abord parce que je ne suis pas sûr que les entreprises soient autant démunies que vous l'avez souligné tout à l'heure. Moi, je dis les chiffres. Hein, c'était combien, Luc Balroy? C'était 31%, ça veut dire que deux tiers n'ont pas mis en place de dispositifs, il y a encore du travail. J'ai bien compris, puis je ne remets pas en cause du tout la grande technicité de nos sondeurs, hein, donc tout va bien. Non, mais je voudrais juste revenir, vous savez, avant de faire cette mission-là, moi j'ai travaillé dans l'entreprise pendant 27 ans, donc je garde beaucoup de contacts avec ceux qui sont dans l'activité privée professionnelle. La première réalité, c'est celle du collectif du travail, du lien managérial, du sens, d'ailleurs vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être une très très grande boîte pour être capable de donner du sens. Il n'y a pas besoin d'être une très très grande boîte pour créer un collectif de travail. Je pense que tout cela, c'est à la portée de toutes les entreprises. Et d'ailleurs, je vais vous dire très franchement, pour mon exemple personnel, moi je connais beaucoup l'artisanat aussi, puisque ma maman était artisan ébéniste. Vous savez, dans un collectif de travail, vous avez deux compagnons et un employeur, on travaille ensemble, le sens on le donne ensemble. Et je crois que le premier élément de la santé mentale dans l'entreprise, c'est de partager quelque chose, d'avoir du sens et d'avoir un lien social, un collectif. La dimension managériale est très importante. Je crois que vraiment, si on devait peut-être, je ne sais pas si c'est le cas chez Decathlon, mais si on devait souligner, je l'ai vu dans d'autres entreprises, notamment chez AXA, si on devait souligner un point qui est peut-être une évolution qui est attendue, c'est qu'il faut que l'on forme nos managers, il faut qu'on les sensibilise effectivement à cette nouvelle exigence d'accompagnement, de proximité que demandent les collaborateurs. Et je crois que c'est un révélateur sur lequel nous pouvons avancer collectivement. Et ce révélateur-là, c'est formidable que vous portiez votre regard sur la santé mentale en entreprise. Ça veut dire que, comme secrétaire d'État et le ministère du Travail, va accompagner les entreprises sur cette problématique avec peut-être des actions concrètes, voire des mesures concrètes que nous autres, les journalistes, nous observerons dans les mois
à venir avec beaucoup d'intérêt. Et si vous le permettez, juste, c'est déjà le cas, puisque j'ai demandé à l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, de fournir un certain nombre de dispositifs. Je n'y reviendrai pas là, on n'a pas le temps, mais vous me réinviterez, on en parlera avec vous. Absolument. Alors, les collaborateurs souffrent également, et on va y venir, Luc Ballois, c'est le tabou. Alors on l'a bien compris, hein, le paradoxe c'est finalement une grande attente des collaborateurs et finalement des ressources relativement en devenir de l'entreprise pour répondre à ce défi qu'est la santé mentale en entreprise. Maintenant, deuxième partie, un tabou, et les chiffres là sont assez aussi parlants. 7 salariés sur 10 pensent que leur manager serait gêné s'ils parlaient de leur maladie psychique à leur manager ou à leur dirigeant, et cela signifie que c'est possible de dire, mais qu'il faut peut-être qu'il y ait un espace de parole et que, en tout cas, en l'état, dire « je suis touché par une dépression, je présente un trouble bipolaire », c'est compliqué dans l'entreprise. Alors oui, tout à l'heure, Stéphane Roussel d'ailleurs le disait, hein, d'un point de vue socioculturel, en France, ce sujet des maladies psychiques et mentales a été un sujet tabou, honteux, porté par la culpabilité, que ce soit des parents ou de l'individu, et assez maltraité. Très longtemps. C'est une, voilà, bien sûr. Depuis des temps récents que... C'est même historique, voilà. Archaïque. Exactement. Le fou, le feignant ou le dangereux. Exactement. Et puis, il y a un sentiment de faiblesse. Hein, on n'a pas la force. Hein, souvent, l'image est utilisée. On ne demande pas à un handicapé de se lever. Mais par contre, à quelqu'un qui est en dépression, on lui dit, bah, bouge-toi. Et en fait, c'est la même erreur. Donc, en fait... Il y a un tabou. Et évidemment, on n'a que 59% des Français qui nous disent « Moi, si j'avais un problème, je ne suis pas certain du tout que j'irais en parler à mon manager. » Et du coup, pourquoi je n'irais pas en parler? Parce que j'ai le sentiment que mon manager, bah, il serait très gêné face à cette situation, il ne saurait pas bien la gérer. Alors, comme vous l'avez dit, l'important, c'est de mettre en place un système d'écoute. C'est un sujet managérial. Si l'entreprise parle de ce sujet... Alors du coup, chaque salarié peut se sentir plus confortable pour en parler. Hein, mais si on ne parle pas de ce sujet, si on ne sensibilise pas les salariés sur ces difficultés qui peuvent survenir, alors du coup, bah, je ne me sens pas du tout dans un contexte favorable pour aller voir mon manager et lui en parler. C'est un peu comme toute communication chez les êtres humains, Luc Ballois, ouais. C'est-à-dire j'ai une oreille ouverte, c'est propice à ce que je parle. Très exactement. Et pour la santé mentale, c'est pareil. Nous invitons l'ensemble des chefs d'entreprise et on va parler maintenant avec le président du METI. Vous le savez, le METI, le mouvement des entreprises de tailles intermédiaires, ce sont toutes ces entreprises du second marché. Et après le groupe Vivendi, et nous reviendrons tout à l'heure avec Stéphane Roussel et l'enseigne Decathlon, nous reviendrons également avec Jean-Pierre Hermelin. Nous allons faire un autre exercice technologique et rejoindre cette fois-ci Philippe Dordano. Le groupe Sisley est un leader mondial de la cosmétologie. Et vous avez bien sûr marqué, et en particulier avec la fondation Sisley, votre intérêt pour la santé mentale. Philippe Dordano, merci d'être avec nous en duplex alors que vous êtes quelque part en Europe. Mais on va bientôt vous retrouver. Est-ce que vous m'entendez, Philippe Dordano? Oui, oui, je vous entends très bien. Merci d'être avec nous. La question du tabou de la santé mentale en entreprise est une question qui vous interpelle et vous avez souhaité réagir sur cet aspect-là. Oui, moi, ce qui me frappe d'abord déjà dans l'enquête, hein, c'est qu'en réalité, en lisant cette enquête très en détail, on voit que les maladies mentales sont encore très méconnues. Même l'enquête elle-même en les mélangeant avec le bien-être au travail, ce qui n'est quand même pas du tout la même chose. Les maladies mentales, c'est des vraies maladies. Et c'est des maladies face auxquelles il y a besoin d'avoir des soins. On voit qu'on les évalue mal. Ça a déjà été dit depuis le début de cette discussion. On voit aussi qu'elles font peur. Moi, un chiffre qui m'a frappé, c'est qu'un tiers des personnes interrogées ne veulent pas que l'entreprise leur en parle. Ça aussi, ils pensent qu'il ne faut pas que leur manager en aurait peur, mais un tiers des personnes interrogées en ont peur elles-mêmes. Donc, il y a vraiment un sujet, une mobilisation à avoir pour informer sur ces maladies. Ma deuxième réflexion, c'est que la santé mentale, c'est l'affaire des entreprises, c'est l'affaire de tous en réalité. C'est l'affaire des familles, c'est l'affaire de l'éducation nationale. C'est une mobilisation qui doit être générale.
L'entreprise peut y prendre sa part. J'ai entendu, par exemple, qu'il faut mieux former les managers. Il faudrait d'ailleurs mieux les former dès l'école. C'est assez étonnant qu'on n'explique pas à l'école ce qu'est une maladie mentale. Ça, de là découle pas mal de confusion. C'est intéressant de voir que dans des écoles de management, on n'a pas véritablement la connaissance, en tout cas, de formation sur les maladies mentales. Les managers qui arrivent, ils ne savent pas très bien ce que c'est. Et même en écoutant une maladie mentale, vous l'avez dit tout à l'heure, par exemple, la dépression, si on dit secoue-toi, ça va aller mieux, en réalité, la dépression est une maladie. Donc, je crois qu'il y a un véritable travail d'abord de mobilisation et d'information. Et bien sûr, ce travail-là peut être fait également en entreprise. Comment est-ce que vous faites, vous, au sein d'un groupe comme celui de Sisley, avec une implantation, disons, internationale, pour que ce sujet, la santé mentale, traverse les équipes et que les collaborateurs sentent cette oreille ouverte dont nous parlions tout à l'heure? Nous, on s'est pas mal engagé par notre fondation. On essaye de faire en sorte que le climat de notre entreprise soit un climat sain, ce qui est un combat de toujours. Ça, c'est le bien-être, mais le bien-être n'explique pas les maladies mentales. Il peut prévenir un certain nombre de difficultés, mais en soi, il ne va pas soigner par le bien-être au travail les 20% de Français qui sont touchés par des maladies mentales. On sait qu'il y a des tas de causes à ces maladies et que ces causes, elles sont parfois environnementales, parfois liées à une situation d'une personne. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que dire associer maladie mentale et bien-être au travail, c'est d'une certaine manière ne pas comprendre ce que c'est que la maladie mentale. Oui, ça peut être confusant et vous avez raison de le signifier. Je vais vous demander quelques instants, si vous voulez bien, Philippe Dordano, de prendre votre casquette de président du METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Je sais que l'exercice est parfois délicat, mais ces entreprises qui sont membres de ce mouvement, par exemple, sont des entreprises comme Bonduel sur les territoires ou d'autres, c'est pour vous donner le calibrage. Eh bien, comment vous percevez, quand vous discutez avec l'ensemble de ces dirigeants, le regard qu'elles portent sur cet enjeu qu'est la santé mentale dans l'entreprise? C'est « Ah non, ce n'est pas pour l'entreprise, nous en sommes loin », ou alors ben, « On va peut-être discuter ensemble ». Je crois que le METI travaille à une cellule santé mentale pour ses membres. Je crois que le problème au METI comme ailleurs, comme dans le sondage, comme pour les salariés, comme pour un grand nombre de Français ou même… Monsieur le ministre le disait, d'Européens, c'est un problème européen et même mondial, c'est qu'on a une véritable méconnaissance, y compris nous, il faut le dire honnêtement, du phénomène, de ses implications, de comment fonctionnent, quelles sont les différentes maladies mentales, comment elles fonctionnent. Puis après, il y a un deuxième enjeu dont j'espère qu'on parlera, c'est que face à ça, l'entreprise a quand même des possibilités d'action. Elle peut bien évidemment créer un bien-être au travail qui va être plus favorable et permettre éventuellement, d'une part, un effet moins anxiogène vis-à-vis des salariés, mais aussi éventuellement des possibilités d'inclure des gens qui ont des problèmes de santé mentale, problèmes de santé qu'ils ont par eux-mêmes, essayer de les inclure et de les aider à surmonter leurs problèmes, parce que ce qu'on ne dit pas et ce qu'on doit dire fortement, c'est que les maladies mentales, ça se guérit. On a aussi cette vision très négative du sujet. Ça se guérit et pour les guérir, il faut aussi que les gens qui sont touchés par ces maladies puissent être inclus dans la société. Et on sait que le travail peut être très, non seulement inclusif, mais il peut être curatif. Le travail qui guérit, c'est d'ailleurs le titre du livre de Jean-Marc Richard qui nous rejoindra tout à l'heure, qui est une entreprise exemplaire sur les territoires pour l'insertion des personnes en situation de maladie psychique ou de handicap psychique. Bien sûr, Philippe Dordano, nous aurons l'occasion de reparler de tout cela en détail. On le fait tout au long de l'année. Et puis, vous le savez, je vous donne rendez-vous à l'Olympia le 12 juin pour la grande fête de la santé mentale. Et cette année, espérons que la date du 12 juin ne sera pas changée comme l'an passé pour des raisons sanitaires. Et nous reparlerons de santé mentale avec des psychiatres et avec beaucoup de stars qui viendront chanter pour la santé mentale comme l'année dernière. Et je vous dis déjà que Yannick Noah sera de nouveau à mes côtés et Dadju et Kenji Girac et Thomas Dutronc, ils reviendront tous comme les autres années parce que la santé mentale, c'est un vrai sujet de société et ce n'est pas un hasard si au sein du groupe Canal, nous plaçons la santé mentale sous les sunlights de l'Olympia et de nos caméras parce que nous voulons placer cela au cœur de nos vies, au cœur du sujet de société parce que le travail est encore assez
important. Comment est-ce que vous réagissez, Olivier Véran, à ce que vous venez d'entendre ? Non, mais moi je pense au fond qu'il y a au moins trois manières d'interaction entre la santé mentale et le travail. Il peut y avoir un lien direct du travail vers la santé mentale. On ne peut pas le nier, situation de harcèlement professionnel, de burn-out, d'épuisement, qui peut provoquer des dépressions. Il y en a un certain nombre tous les jours dans notre pays. Ça nécessite un travail de prévention, c'est tout ce qui est QVT, qualité de vie au travail, tout ce qui est démarche d'accompagnement, et être capable d'aller dépister un conflit quand il est là, avant qu'il ne s'enquiste, pour pouvoir démêler les situations les plus complexes et préserver la santé mentale des salariés. Le deuxième sujet, deuxième interaction, c'est quelqu'un qui, à la base, effectivement, comme l'a dit monsieur, souffre d'une pathologie mentale, parfois chronique, parfois latente, qui peut, à un moment donné, se déclarer au cours de la vie, comme un trouble bipolaire, et donc interagir avec l'exercice professionnel et qui nécessite un accompagnement professionnel particulier. Et la troisième possibilité, c'est qu'il n'y ait pas de maladie chronique sous-jacente, que ce ne soit pas en lien direct avec le travail, mais par exemple un deuil complexe, une rupture complexe ou tout autre événement intercurrent qui vienne percuter un être vivant et donc lorsqu'il travaille un salarié et avoir des nécessités, des interactions avec le milieu professionnel. Dans tous les cas, ce qui m'importe, encore une fois, je le dis, c'est d'abord le repérage, le dépistage, l'accompagnement, la prévention, l'information, l'éducation, il a raison. Il faut qu'on apprenne davantage aux jeunes ce qu'est la pathologie mentale, il ne faut pas en avoir si peur que ça. Moi, j'étais interne en psy avant de faire la neurologie, et donc j'étais étudiant en médecine, et je voyais même dans les études de médecine, au moment d'aborder la pathologie mentale, il y avait un certain nombre de collègues qui n'étaient pas à l'aise. Oui. C'est quelque chose qui nous effraie, parce qu'il y a quelque chose qu'on maîtrise mal, qu'on connaît mal, et au fond, les connaissances s'améliorent année après année en matière de santé mentale. Les origines génétiques sont de plus en plus connues, la responsabilité parentale est de plus en plus mise à l'écart, même si l'environnement dans lequel on a pu grandir forcément a un impact. Est-ce qu'il faut, parce que vous parliez du manager tout à l'heure, contact, je ne suis pas sûr que ce soit auprès du manager qu'il faille en premier lieu aller dire qu'on ne va pas bien quand on ne va pas bien. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait des personnes dans son entourage proche à qui on puisse dire qu'on ne va pas bien. Entourage familial, amical, entourage professionnel. Et ce qui m'importe, c'est qu'au sein d'une entreprise, d'une ETI ou de toute autre taille, on puisse savoir qu'il y a quelqu'un qui est là et qui est prêt à nous écouter, qu'on le connaisse beaucoup ou pas, qu'on soit au même atelier que lui ou dans le même bureau ou pas, qu'on le retrouve à la cantine ou pas. Et donc, il faut que quelqu'un identifié au sein de l'entreprise puis se dire, moi j'ai envie d'aller aider les copains quand ils ne vont pas très bien. Et donc c'est ce qu'on appelle les premiers secours en santé mentale, et c'est ce que nous sommes en train de développer massivement dans notre pays. Et le milieu entrepreneurial, le milieu du travail, est un milieu qui est parfaitement adapté à ces premiers secours en santé mentale. De même manière qu'on sait réanimer quelqu'un, utiliser un défibrillateur semi-automatique, on doit pouvoir être capable d'entendre quand quelqu'un ne va pas bien, et de faire le tri entre des symptômes de malaise ou des symptômes de détresse psychologique nécessitant une orientation vers un professionnel. C'est tout ça l'enjeu qui est devant nous. Alors, Olivier Véran, je vais vous demander de faire vous un petit exercice du tac au tac là, pendant 3-4 minutes pour que nous n'utilisions pas trop de temps. Vous avez vu que j'aime bien faire changer les casquettes des personnes. Tout à l'heure, Laurent Pietraszewski passait volontiers de sa prise de propos de secrétaire d'État à son histoire familiale avec la maman ou le papa ébéniste. Et puis tout à l'heure, Philippe Dordano, patron emblématique de notre pays et de la marque Sisley, va volontiers vers sa casquette du métier, comme gentiment l'a fait aussi tout à l'heure Stéphane Roussel, DG du groupe Vivendi, et qui prend sa casquette de président d'LEPC. Alors, il n'y a pas de raison que vous y échappiez, Olivier Véran. 3 secondes sur votre casquette de médecin. Il y a, comme neurologue, une sémantique très délicate sur la maladie psychique, maladie mentale. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le terme maladie ? Est-ce que pour vous, on dit facilement, c'est une maladie mentale, c'est un handicap psychique. Est-ce que vous êtes à l'aise avec la sémantique qui, je peux vous en assurer, est très, très, très discutée par les acteurs du champ de la santé mentale ? Rapidement. Il y a maladie aiguë et maladie chronique. La schizophrénie est une maladie chronique. Le syndrome dépressif conjoncturel, à un moment donné de sa vie, est une maladie aiguë, au même titre qu'on peut avoir une infection, on peut avoir, à un moment donné, un problème de santé mentale. En fait, finalement, le reconnaître comme une maladie n'est pas forcément une façon de lui conférer un statut à part, mais de l'intégrer au champ général du mal-être ou des pathologies. Être malade, c'est pas une honte. Si on est atteint d'un cancer, pareil, on parlait souvent du tabou du cancer, on ne parle pas du fait qu'on a un cancer, etc. Pour autant, ça n'en fait pas autre chose qu'une maladie. Donc, j'insiste moins sur les mots que sur la capacité à identifier soi-même ou à faire identifier par ses proches le fait qu'on ne va pas bien, notre capacité à, de façon très libre,
très simple, très automatique et sans gêne de pouvoir en parler à un moment donné pour éviter que ça ne s'aggrave. Voilà, donc j'avais eu beaucoup de pression pour poser cette question-là sur la sémantique au ministre Olivier Véran. Voilà qui est fait. J'espère que nous aurons répondu à vos attentes sémantiques. Vieux débat, est-il encore d'intérêt général à suivre? Deuxième question qui est parfois un petit peu aussi polémique, et là aussi il y avait beaucoup d'attentes. Aller voir quelqu'un, trouver la personne à qui dire, et c'est peut-être pas forcément le manager, c'est peut-être un professionnel de santé, c'est sûrement un psy ou un psychologue. Et le conventionnement des psychologues est en œuvre. Où en sommes-nous précisément? Il y a des catégories de population qui ont accès maintenant à des chèques psy, c'est le cas des enfants, c'est le cas des étudiants. Dans plusieurs régions de France, l'expérimentation est menée qui permet de conventionner des psychologues pour remboursement. Ça veut dire que je vais voir le psychologue gratuitement si je suis étudiant. Oui, ou je suis remboursé, ou je vais le voir gratuitement. Dans le Ségur de la Santé, nous avons développé des recrutements de psychologues dans tout le pays, dans les CMP, dans les centres médico-psychologiques, dans les hôpitaux, mais aussi en médecine de ville. Et nous allons avoir les assises de la santé mentale et de la psychiatrie au mois de juin-juillet qui nous permettront de faire d'autres propositions. Sans rentrer dans les détails, parce que j'ai compris que c'était des réponses rapides, et c'est très bien ainsi, où on conventionnerait tous les psychologues au même titre qu'on conventionne des médecins, ce qui nécessite un gros travail préparatoire, où on propose aux salariats, dans certains modes d'exercice regroupés, d'embaucher des psychologues dans les réseaux de soins. Enfin, il y a beaucoup de façons d'envisager les choses. Ce qui est sûr, c'est que moi, je souhaite qu'on s'appuie davantage dans notre pays sur les psychologues, qui sont des gens de grande qualité, avec un vrai beau diplôme, et qui peuvent apporter beaucoup aux Français dans cette période, notamment. Voilà pour cette réponse également sur cet enjeu de prise en charge de la santé mentale des jeunes qui souffrent actuellement de façon plus étendue. On le disait tout à l'heure, 20% des 18-25 ans présentent et déclarent des troubles dépressifs. Autant dire que la consultation chez le psy, c'est pas une honte. Je vous dis souvent à l'antenne et je le redirai au fil de l'année. Nous le redirons tous ensemble à l'Olympia. Nous sommes tous fragiles, tous concernés. C'est le slogan du Psychodon, qui est la cause des chaînes du groupe Canal. Et tous fragiles, tous concernés, ça veut dire que quand j'ai mal aux dents, je vais chez le dentiste. Quand j'ai un problème ophtalmologique, je vais chez l'ophtalmo. Quand je me sens pas bien dans ma tête, eh bien, je vais voir le psy. C'est tout simple. Il n'y a pas de honte à cela. Des perspectives sont à élaborer lorsqu'on a posé la question de ce paradoxe, échanger sur le tabou. Et la perspective, elle est toujours observée par le prisme finalement d'où nous vivons, de ce que nous sommes. Et elle est un peu différente lorsqu'on est par exemple de l'autre côté de la Manche. Stéphane Roussel, vous parlez souvent de comment perçoivent les anglo-saxons la santé mentale. Et je crois que pour eux, c'est aussi une opportunité pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Oui, c'est assez étonnant. J'ai la chance d'un programme d'échange de points de vue d'aller à Londres. J'étais surpris moi-même, pourtant je suis formation psy, que d'ailleurs les mots sont importants parce que il parle de neurodiversité, ce qui est amusant. En France, on parle de maladies psychiques, de troubles psychiques. Eux, ils ont une manière de dire non, on est différent en fait. Ce n'est pas une case en moins, c'est peut-être une case en plus parfois. C'est juste un état, soit conjoncturel, soit structurel. Mais en fait, il y avait même cette volonté de mettre en scène, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent témoigner, même de hautes fonctions, malgré leur souci de bipolarité ou de schizophrénie. Mais ça se dit. Ça ne se cache pas et on en fait un acte de différence. Alors, on n'en est pas là et chaque culture a ses avantages et ses inconvénients parce qu'il ne faut pas non plus, comme l'a dit Philippe Dornano, minimiser le problème en disant que finalement, ce n'est pas grave. Donc, il y a à prendre le meilleur des deux cultures et c'est pour ça que, là, je mets ma casquette, les entreprises pour la suite. On essaye de mener des benchmarks français et européens pour essayer de trouver quelles sont les meilleures pratiques des entreprises pour pouvoir animer le réseau et essayer d'échanger sur ces meilleures pratiques. Et comme ça a été souligné, les meilleures pratiques ne viennent pas forcément des plus grandes entreprises. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les petites entreprises de bon sens qui fonctionnent également très bien. Luc Balleroy, la partie de ce sondage sur les perspectives, quels sont les grands indicateurs qui se dégagent et qu'est-ce qu'il faut retenir?
Le premier, hein, c'est que effectivement, le contexte particulier dans lequel on s'inscrit, il est à la fois un révélateur et un accélérateur des prises de conscience, hein, pour toutes les raisons qu'on a dit. On est isolé, on se retrouve avec une charge de travail qu'on a du mal à gérer parce que son manager il n'est pas là directement. Enfin bon, bref, un accélérateur des prises de conscience et aussi un accélérateur des risques. Donc effectivement, 72% des Français, des salariés du secteur privé, nous disent que la place de la santé mentale dans les entreprises va prendre une place plus importante dans les années à venir. Donc ça, c'est le premier élément. Il y a une montée en puissance du sujet. Oui, mais peut-être aussi parce que les entreprises, pendant cette période, ont compris que l'isolement de leurs collaborateurs était un vrai sujet et que du coup, ils ont beaucoup plus communiqué dessus. Néanmoins, on a aujourd'hui que 26% des Français, c'est-à-dire un quart, on pourrait faire l'inverse, hein, trois quarts, qui se disent insuffisamment informés sur ces questions, avec seulement 22% qui se disent qu'ils seraient prêts à réagir face à la difficulté rencontrée par un de leurs collègues. Ce qui est intéressant, c'est que quand on prend les salariés qui se disent suffisamment informés, alors dans ce cas-là, ils sont 66% à dire si j'avais un collègue en difficulté, je saurais quoi faire. Hein, donc on voit bien que le sujet de l'information, de la sensibilisation, il est extrêmement important parce qu'on passe, hein, je le redis, de 22% qui ne sauraient pas quoi faire, hein, à 22% qui sauraient quoi faire, excusez-moi, à 66%, c'est-à-dire trois fois plus si je suis bien informé. Laurent Pietraszewski. Oui, on voit bien effectivement ici la dimension. Alors, à la fois, on a cité tout à l'heure le rôle du manager, qui a des limites. Hein. Moi, je le dis très clairement, hein, le manager n'est pas un médecin. Il doit, bien sûr, faire preuve de proximité et d'écoute. Simplement, je crois qu'il faut l'outiller dans la détection de là où il peut intervenir et là où il doit passer la main. D'ailleurs, je crois que c'est peut-être cela qu'on peut se dire, c'est que l'entreprise est un lieu où il faut prévenir, évidemment, en matière de santé mentale et de santé physique. Et on a quand même évoqué à plusieurs reprises la qualité de vie au travail, le sens que l'on donne, la proximité managériale, autant d'éléments qui contribuent à prévenir en matière de santé mentale, le rôle du manager en matière d'écoute et aussi les structures qui accompagnent au final lorsqu'il y a une réalité d'une maladie mentale. Et là, il faut redire un mot quand même, je crois, avant qu'on se quitte, des services de santé au travail, des médecins du travail, de l'ensemble des professionnels de santé au travail. On a près de 8000 professionnels de santé au travail dans notre pays qui sont en proximité avec les salariés. Redire aussi aux employeurs qu'on peut générer des visites à l'initiative de l'employeur auprès du médecin du travail. Qu'on a déjà fait, par exemple, chez nous, chez Opinion West, ça nous est arrivé. Bon, voilà, très bien. Et aussi dire aux salariés qui nous écoutent, qui nous suivent, qu'eux aussi, ils peuvent, sans avoir à en rendre compte, c'est très important, sans avoir à rendre compte à leur employeur, ils peuvent aller rencontrer leur médecin du travail qui, lui, au final, les orientera vers un professionnel. Et c'est là qu'effectivement, on pourra faire le lien avec tout ce que disait Olivier Véran tout à l'heure, une consultation avec un psychologue, un psychiatre, en fonction de la pathologie qui sera détectée. Deux tiers des salariés souhaitent en apprendre davantage sur la santé mentale et peut-être que les établissements de soins, les professionnels de santé du secteur de la psychiatrie peuvent être tout à fait à la pointe et faire des liens avec les entreprises. Patrick de Saint-Jacob, vous êtes en charge de la RSE pour le groupe Orpea, qui est le leader mondial des maisons de retraite. Et on le sait que la santé mentale chez les seniors, c'est un sujet, mais vous êtes aussi un acteur majeur du soin avec des cliniques psychiatriques sur l'ensemble du territoire. Est-ce que vous pensez que vous pourriez participer, vos établissements, les professionnels de santé qui travaillent chez vous, à opérer des liens avec l'entreprise, à sensibiliser dans l'entreprise à ce que finalement les acteurs du soin, les établissements du soin et l'entreprise, les collaborateurs des entreprises ne soient pas dans deux mondes distincts et se rencontrent, échangent, apprennent l'un des autres? Patrick de Saint-Jacob. Vous êtes là, on va de nouveau vous rejoindre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour à tous. Je vous remercie de me donner la parole pour conforter les propos qui ont déjà été tenus par les uns et les autres, en particulier du rôle clé des psychologues au sein des entreprises. Au sein du groupe Orpea Clinéa, nous avons créé depuis bientôt une vingtaine d'années un collège des psychologues qui regroupe à peu près 300 professionnels salariés chez nous.
de ce collège, nous avons mis en place depuis une quinzaine d'années une cellule de soutien psychologique pour l'ensemble de nos établissements, c'est-à-dire que tout cadre peut saisir finalement cette structure et une trentaine de ces psychologues peuvent intervenir suivant leur sensibilité ou en tout cas le contexte qui a été remonté. Plus récemment, ça fait maintenant 5 ans, nous avons créé une cellule de prévention des risques psychosociaux au sein de l'entreprise. Nous avons déjà formé tous les cadres de l'entreprise et prochainement, la prochaine étape, ça sera de former, je dirais, les cadres intermédiaires et puis on espère pouvoir aussi les déployer sur l'ensemble des salariés. Ça, c'est en tout cas ce que nous avons mis en place au sein de l'entreprise. Alors, depuis quelques temps, on s'est dit qu'il fallait aussi s'ouvrir auprès des entreprises partenaires. Et c'est vrai que les premiers contacts qu'on a pu prendre, entre autres, auprès de certaines entreprises, par exemple de la Défense en région parisienne, auprès des DRH, des médecins du travail, a été, je dirais, couronné de succès. Beaucoup d'intérêt, effectivement, pour à la fois faire passer les messages de déstigmatisation, c'est-à-dire faire prendre conscience qu'on pouvait parfaitement embaucher comme salarié un schizophrène qui pourrait être parfaitement traité, stabilisé, qu'on pouvait embaucher effectivement toute personne qui avait pu traverser une crise en santé mentale grave, mais en même temps pouvoir faire en sorte que l'ensemble des salariés de ces entreprises, déjà des cadres en priorité, puissent être à l'écoute des signaux faibles et qui permettraient de veiller à ce qu'un collègue puisse être pris en charge rapidement avant de décrocher. De demander à des professionnels de la santé mentale, par exemple vous qui êtes déployé sur les territoires, il y a combien de d'établissements psychiatriques privés chez vous ? Vous êtes représenté comment ? Il y a un peu plus de 170 cliniques privées en psychiatrie en France. Nous en gérons 55. Donc, vous imaginez, si toutes devenaient des ressources avec leurs collaborateurs d'information pour les entreprises, ce serait formidable. Et ce serait aussi dire, bien, la santé mentale, c'est l'affaire de tous. C'est peut-être une gigantesque mission, mais ce n'est pas non plus complètement fou que de se dire, vous pouvez jouer un rôle d'information, de sensibilisation auprès des entreprises. Et ça fait partie de nos objectifs. Et puis, pour interpeller Monsieur le ministre, je pense qu'aujourd'hui, à l'horizon de 2021, il serait judicieux que l'ensemble des acteurs de santé puissent aussi aller au plus près des entreprises. Je pense aux hôpitaux psychiatriques, je pense aux associations qui pourraient, grâce à leurs psychologues, leurs psychiatres, leurs cadres de santé, aller effectivement passer le message auprès des entreprises pour déstigmatiser et, au fond, faire en sorte que la santé mentale devienne aussi, mettez-y des guillemets, aussi banal que lorsque l'on parle de cancérologie, de maladies cardiovasculaires, ce qui serait une vraie déstigmatisation. Nous avons également fait au sein de notre groupe un travail qui est très intéressant et qu'on va continuer à déployer auprès des collèges et des lycées, qui rencontrer les familles et leur parler effectivement de comment elles peuvent gérer leur adolescent et pouvoir détecter au fond chez ces jeunes des premiers signes qui pourraient être des signes d'une rentrée en pathologie mentale. Des éclairages. Je rappelle, Patrick de Saint-Jacob, que vous êtes le DG RSE du groupe Orpea, qui est le leader mondial français des maisons de retraite et qui déploie des cliniques psychiatriques sur les territoires. Je voudrais que nous rejoignions Jean-Marc Richard, parce que c'est une entreprise exemplaire et nous allons aller dans une belle région de France, Jean-Marc Richard, parce que ce que vous faites dans votre territoire en termes d'insertion des personnes en situation de maladie psychique ou de handicap psychique est réellement exemplaire. 2 secondes sur le siège d'Amipi, vous êtes où ? Alors, nous sommes d'abord une fondation reconnue d'utilité publique, donc j'aime bien le dire parce qu'on a les mêmes statuts que l'Institut Pasteur. Mais nous sommes aussi une entreprise tout à fait ordinaire. On a 6 usines, on a 900 personnes, donc on est une entreprise de taille intermédiaire. On appartient au métier grâce à Philippe Dormano, on a pu le rejoindre. Et on a une particularité, c'est qu'on soigne, on est un peu des ambulanciers malgré nous. Vous faites quoi ? Quel est votre métier ? C'est du câblage ? Alors, notre métier, c'est des faisceaux de câbles pour Peugeot, pour Renault, pour Plastic Omnium.
Et dans le cadre de leur politique RSE, qui est un élément clé, on est des entreprises adaptées aussi. Thibaut Guilly est au gouvernement un peu notre sponsor. Et puis, par ailleurs, on est une entreprise complètement ordinaire avec des contraintes industrielles très fortes, puisque sur 1 million de faisceaux, on en produit 8 millions, on a le droit à 6 erreurs. Et tout ce travail est manuel, et je tiens à le dire, c'est qu'en fait, le cerveau se développe par les périphéries. Et c'est cet homme, le professeur Robert Debré, qui a soutenu les œuvres de Maurice Vendre, son intuition géniale, c'est que les personnes apprennent à condition qu'on les mette dans des successions d'apprentissage, ce qui va stimuler, puisqu'on parlait de neurologie, les synapses, les connexions synaptiques, et permettre d'en créer de nouvelles. Autrement dit, les personnes, quelles qu'elles soient, si on les traite en tant que personne, hein, et pas en tant que malade, les personnes, si elles ont un bon médecin, si elles ont des bons médicaments, et si on ne les installe pas dans la maladie, bah, se guérissent. Alors, ce mot est à travailler. Et on a un homme qui est un professeur très fameux, je pense que monsieur le ministre le connaît, c'est le professeur Ougourian. Il est venu faire une enquête chez nous parce qu'on s'est appuyé sur ses savoir-faire pour permettre à ces personnes qui ont des pathologies de se développer, de se guérir et ensuite de s'insérer dans des entreprises ordinaires. Et tous les débats que vous avez menés depuis le début, moi, je bois du petit lait parce que ce qu'on aimerait bien, c'est de passer d'une étape un peu d'ambulancier à essayer d'irriguer des savoir-faire assez précis qu'on a pu développer dans la Fondation et de les partager avec les entreprises de France. Parce Alors, que c'est pour être... l'entrepreneur qui va être important. Très court, Jean-Marc Richard. Est-ce que vous pensez que les adaptations, les processus que vous avez mis en œuvre, évidemment, il ne s'agit pas de processus ergonomique. Lorsqu'on est en situation de handicap moteur, on doit adapter les postes de travail. Là, vous avez conduit d'autres adaptations, donc vous ne pourrez pas vraiment nous parler maintenant parce qu'on a vraiment peu de temps. Mais en deux mots, lesquelles sont-elles? Et est-ce qu'elles sont surtout transférables, copier-coller aux autres entreprises? Alors, elles sont tout à fait transférables. J'ai un livre que je vous recommande, qui est, vous l'avez cité tout à l'heure. Le travail qui guérit. Un peu de pub. Le travail qui guérit. En fait, c'est un livre, s'il est lu par 30 000 personnes, je dis bien lu, hein, parce que les gens peuvent avoir le livre et pas le lire, il servirait la cause. La deuxième chose, c'est qu'on a développé deux modules, l'un sur la plasticité, qui est fondé sur la plasticité du cerveau, c'est la dualité. C'est-à-dire, c'est la capacité qu'une personne peut simultanément développer un bon produit, donner du sens à sa vie par la création d'une richesse. Hein. Et deuxièmement, développer son cerveau, prendre confiance en lui, avoir de l'estime de soi et pouvoir se projeter en avant sur ses propres compétences qu'il aura connues. Parce que ce qu'est le drame de la maladie, c'est l'exclusion. Vous voyez ce que je veux dire? Le deuxième élément clé, c'est le professeur Ougourian qui est l'homme clé, à mon avis. Moi, je l'appelle le sauveur de l'humanité parce qu'il a compris par une découverte fantastique qui a lieu à Parme, les neurones miroirs, que ce qui est, et le secrétaire d'État l'a bien dit, ce qui est fondamental, c'est l'interagir. C'est-à-dire, on apprend de l'autre par des neurones miroirs qui s'agitent et qui font que si j'ai un désir de transmettre, si j'ai de la compétence à transmettre, si j'ai de la bienveillance, et si je gère un élément fondamental de nos sociétés qu'on n'arrive pas bien à gérer, qui est le poison de la rivalité qui génère la violence mimétique, et forcément, dans les pathologies qui nous concernent, c'est un élément clé. Hein, on voit des délires mimétiques se développer chez des personnes de grande fragilité. Merci beaucoup. Ce qu'il faut, c'est attaquer le sujet pleinement. C'est pas, voyez, je veux dire, c'est pas créer des silos nouveaux. C'est surtout faire ce que vous disiez. Et nous aurons, je vais vous couper, traiter la personne. L'occasion d'en reparler au fil des semaines. Le temps qui nous est imparti commence à s'écouler. Quelques instants pour rejoindre Philippe Dordano, parce que vous teniez à dire qu'il faut que les entreprises mènent une vraie réflexion, Philippe Dordano, et que vous allez porter ce message en interne chez Sisley, bien sûr, mais auprès des chefs d'entreprise que vous côtoyez et membres du Métis. Philippe Dordano, vous êtes un ambassadeur de cette question de la santé mentale en entreprise. Il y a des vraies réflexions à mener parce qu'il y a des actions à conduire. Oui, il y a deux choses. La première, c'est qu'on voit qu'inclure des gens qui ont des problèmes de santé mentale dans une entreprise qui est tournée vers un résultat, ce n'est pas facile. Et il y a une vraie réflexion à avoir sur le sujet.
Est-ce que je peux, on l'a vu d'ailleurs dans, dans l'enquête, est-ce que je peux avertir, est-ce que j'avertis mon manager, comment réagit mon manager, est-ce que j'avertis les collègues, comment les collègues gèrent l'interaction, si par exemple ils ne savent pas que la personne a un problème de santé mentale, ils peuvent être très désarçonnés, on gère un collectif, comment est-ce qu'on fait pour créer des conditions qui permettent une inclusion. Et le deuxième message, c'est que les structures spécialisées sont très utiles. On l'a vu avec Jean-Marc Richard qui fait un travail formidable. Nous, par exemple, depuis très longtemps, on travaille avec des ESAT. Je pense à dans le domaine de l'autisme, des entreprises comme Audi Consult, par exemple, qui placent des autistes dans les entreprises avec beaucoup de succès. Et avec, Jean-Marc l'a dit, cet aspect curatif. Donc, c'est extrêmement important de réfléchir et de travailler à encourager les structures et à créer aussi dans l'entreprise un contexte qui permette l'employabilité aussi des personnes qui ont des sujets de santé mentale. Comment est-ce qu'on les place pour qu'elles puissent travailler correctement, convenablement et en bonne interaction avec les autres dans une entreprise de manière à ce qu'elles aillent mieux et qu'elles s'incluent. Merci. Philippe Dordano. Alors, le temps qui nous est imparti s'écoule. On va prendre deux, trois questions, mais très peu. Le sondage sera en ligne sur le site du Psychodon. Il sera en ligne sur le site cnews.fr. Une question d'une journaliste de l'AEF, Corinne Duhamel, Stéphane Roussel. Est-ce que, par exemple, comme chef d'entreprise, vous seriez prêt à prendre en compte, en charge, le coût d'un numéro vert et des premières séances de psy pour vos collaborateurs? Cette question nous vient de Corinne Duhamel de l'AEF, Stéphane Roussel. Est-ce que vous souhaitez y répondre? Philippe Dordano, merci pour ces éclairages. Oui. Et on n'a vraiment que quelques instants. Allez-y. Oui, oui, la réponse est courte. Bien sûr, on est prêt et on le fait déjà pour ce qui est des numéros verts, évidemment, et pour les premières séances. Après, je pense qu'il est important, on le sait très bien dans le travail psychologique, que ce soit une co-responsabilité, que évidemment, il y a une partie de la rémunération des psys qui soit payée par les personnes concernées. Donc oui, l'entreprise peut aider dans les premiers et le faire gratuitement, puis après, c'est important psychologiquement de relayer. Voilà pour ma réponse. J'en profite juste pour dire, parce que Didier, tu as beaucoup questionné les uns et les autres sur leur double casquette, mais moi, je voudrais saluer, parce qu'il ne va pas le faire modestement, tout le travail du Psychodon et tout ce qui apparaît maintenant. Didier, on a été quand même, il faut le dire, le révélateur, le fondateur en France, et ça prend des proportions extraordinaires grâce à lui. Donc, je voulais saluer le travail de Didier. C'est gentil, Stéphane Roussel. Autre question d'une journaliste, peut-être pour Patrick Saint-Jacob. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le mécanisme clé sur la prise en charge de la santé mentale des collaborateurs qui vous semble avoir été mis en œuvre au sein du groupe Orpea et qui peut être copié-collé ailleurs? Vraiment la mesure clé, Patrick de Saint-Jacob. Si vous voulez bien répondre à cette question. Oui. Allez-y. Je vous remercie. La mesure clé, effectivement, la prévention des risques psychosociaux, c'est-à-dire de vraiment sensibiliser l'encadrement, puisqu'en fait tout part de l'encadrement, pour qu'ils puissent accompagner au mieux leurs collaborateurs au fil des jours, pouvoir, comme je l'évoquais tout à l'heure, repérer ce qu'on appelle les signaux faibles, à savoir des personnes qui commencent à présenter certains troubles et de les prendre en charge avant même que ça puisse se transformer en pathologie mentale grave, voire en passage à l'acte. Et c'est vrai que nos managers en redemandent, puisqu'au fond, régulièrement, ils nous disent quand est-ce qu'on refait une session prévention RPS. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui ce qui nous satisfait le plus, parce que la cellule d'intervention institutionnelle est en curatif, la RPS est en préventif. Alors bien sûr, tout cela est très technique, mais on ne pourra pas le déployer ici. Pour terminer, avant que nous ayons quelques éléments de conclusion, je vous redis que le sondage sera en ligne sur le site du Psychodon. Il l'est peut-être déjà actuellement sur le site de cnews.fr, qui est notre partenaire. On vient de le voir, monsieur le secrétaire d'État. C'est un triple défi pour les entreprises. Et Luc Balois, vous nous le préciserez aussi pour conclure. C'est un défi d'avenir, mais qui est essentiel, parce que considérer la santé mentale dans l'entreprise, c'est considérer qu'elle fait partie
d'un vecteur de performance, de déploiement à la fois social mais économique. Donc c'est utile de se dire que c'est un vrai sujet. Bien sûr que la préoccupation que doit porter l'employeur à la santé physique et mentale de ses salariés, c'est une préoccupation humaine, mais c'est aussi une préoccupation économique parce que ses salariés se sentent bien. On l'a évoqué sur plein de sujets en matière de qualité de vie au travail, mais aussi et la possibilité d'être accompagnés lorsqu'ils ont des pathologies mentales, à la fois parce qu'il y a des services de santé au travail, parce qu'il y a des conditions qui sont créées par les entreprises, eh bien ce n'est que positif et c'est un rapport gagnant-gagnant. Et je crois aussi quand on cherche du sens, le fait que dans l'entreprise, on prenne soin des salariés, c'est un élément de sens. Et vous allez bien sûr dans les mois à venir, au fil de ce mandat qu'il reste avant les prochaines échéances, être particulièrement vigilant à cette question de la santé mentale dans l'entreprise. Vous vous y êtes engagé tout à l'heure. Oui, vous avez entendu Olivier Véran, puisque nous travaillons deux concerts. Et, vous savez, c'est pas anodin, hein, ce portefeuille de la santé au travail. C'est une innovation dans la réalité de notre 5e République. C'est la volonté du président de la République de montrer l'importance de la santé au travail pour tous nos concitoyens. Et si le travail guérit, et je crois que le titre du livre donne vraiment envie de l'acheter et de le lire, j'ai bien compris qu'il ne s'agit pas de le laisser dans sa bibliothèque, mais je pense que c'est un bon indicateur pour nous tous aussi. Hein, le travail est un élément d'insertion, mais aussi au regard d'éventuelles pathologies qu'on peut avoir, y compris de pathologie mentale. Avant de vous quitter, Laurent Pietraszewski, une petite question pour voir si vous avez bien compris les règles du déconfinement et si nous les avons bien compris également. Le 12 juin, c'est la grande fête de la santé mentale. Nous serons en direct sur C8, en direct de l'Olympia. Mais serons-nous en public ? Laurent Pietraszewski. Bien, écoutez, vous aurez, vous savez qu'il y a un certain nombre de dispositions de stade qui ont été évoquées par le président de la République et qu'il y a des dispositions spécifiques, notamment pour les activités publiques, comme vous l'évoquez, avec des jauges. Vous serez dans ce cadre-là, si j'ai bien compris ce qui a été dit. Donc nous serons en public, bonne nouvelle, et la billetterie de la grande soirée annuelle de la santé mentale du Psychodon est en ligne depuis aujourd'hui. Donc, vous pouvez déjà prendre vos places et nous rejoindre pour cette grande soirée. Une première jauge a en effet été livrée à la billetterie. Pour conclure, peut-être, Luc Balroy, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ce défi est triple, un défi qui se veut une réponse à ce paradoxe que nous avons mis en avant, à cette question du tabou de la santé mentale en entreprise, et aussi à ces perspectives porteuses d'espoir. Il y existe des dispositifs, il y a des attentes, on peut cultiver ces dispositifs, les mettre en œuvre dans l'entreprise, il y aura un appui politique, on vient de l'entendre, c'est un défi RSE, c'est un défi pour la marque employeur, parce que c'est signifiant de s'engager en termes de santé mentale pour ses collaborateurs. Puis c'est un défi financier, parce que c'est un vecteur de performance que d'avoir des collaborateurs qui sont dans l'entreprise en bonne santé mentale. Bah finalement, vous avez presque tout dit. Je crois qu'effectivement, il y a quelqu'un qui s'appelle Idriss Aberkane qui dit que 100% des gens qui sont motivés n'atteignent pas forcément leurs objectifs, mais on n'a jamais vu des gens qui atteignent leurs objectifs qui ne sont pas motivés. Et voilà, tout est dit là. Peut-être pour conclure, je dirais que c'est ce qu'on a fait, par exemple, chez OpinionWay. Il y a très longtemps, on a mis en place un observatoire, comme j'ai dit, du bien-être au travail. Et on voit bien que la satisfaction de nos collaborateurs au travail est directement corrélée avec la performance de l'entreprise. Et je crois que c'est ça l'enjeu des entreprises qui, aujourd'hui, moi je suis très positif aussi et très optimiste, je crois que les entreprises, elles ont compris ça. Et que ce sujet-là, il est en train, effectivement, d'être pris en charge par les entreprises. D'abord, parce que la crise a révélé le besoin de créer du sens pour mes clients, mais du sens pour mes collaborateurs. Donc ça, je crois que c'est une prise de conscience forte. Et tous les enjeux de RSE, évidemment, vont dans ce sens, et notamment de ce qui est en train de se construire sur les entreprises à mission. C'est un enjeu de marque employeur parce qu'aujourd'hui, le rapport au travail, notamment des jeunes générations, est très, très différent.
Hein, ils ont besoin d'avoir des entreprises qui les prennent en charge de manière plus globale, qui leur apportent pas seulement du travail, mais un encadrement, du sens à leur vie. Et donc c'est l'enjeu de la marque employeur. Et puis, je l'ai dit au début, c'est l'enjeu de la performance. Des gens qui sont bien dans leur travail sont plus performants et plus motivés et plus engagés vis-à-vis de l'entreprise. Je terminerai juste par une chose. Dans tout ça, ce qui doit être évité, c'est la question de l'enfermement. Quand on est en difficulté, notamment une difficulté psychologique, le risque le plus important, c'est l'enfermement. Et donc, pour sortir de l'enfermement, il faut que les entreprises montrent qu'elles ont la capacité d'écouter. Et il y a quand même un enjeu de manager qui est un enjeu de veille. C'est-à-dire de sentir quelqu'un qui est en difficulté, ce qui n'est pas toujours facile. Parce qu'il ne communique pas. Moi, j'étais confronté récemment à ce sujet-là, de quelqu'un qui, d'un seul coup, était à la limite du burn-out et que personne n'avait vu parce qu'en fait, il y a une culpabilité. C'est-à-dire que je garde pour moi. Et du coup, je ne me sens pas performant et je ne veux pas que ça se voit, donc je le garde. Et en fait, on arrive presque à la limite. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment être en veille par rapport à ça. C'est vraiment l'enjeu majeur. On se quitte avec les chiffres clés. Je vous propose qu'on vous les projette parce que quand même, il faut les retenir. 58% des salariés n'annonceraient pas leur maladie psychique ou mentale dans l'entreprise. 76% estiment que l'entreprise est responsable de la santé mentale des collaborateurs. Et 66% des salariés s'estiment suffisamment informés sur les maladies psychiques ou mentales. Si 26% seulement 26% s'estiment suffisamment informés. Donc vous retrouvez tous ces chiffres dans le sondage mis en ligne sur le site de cnews.fr et sur le site du Psychodon. Il me reste à vous remercier tous, Stéphane Roussel pour le groupe Vivendi, les entreprises pour la cité, Philippe Dordano pour le groupe Sisley, le Méti, Patrick de Saint-Jacob pour Orpea, Jean-Pierre Hermelheim pour la Fondation Décathlon, Jean-Marc Richard pour la Fondation Amipi, messieurs les ministres Olivier Véran et Laurent Pietraszewski pour votre fil rouge brillant, cher Luc Balroy, et à très bientôt. Merci encore pour cette enquête Opinion Way Psychodon qui va faire des émules et qui va devenir, j'en suis sûr, référence. Vous l'avez compris, nous nous retrouverons tous au plus tard le 12 juin à l'Olympia pour la grande fête de la santé mentale et on vient même d'entrevoir que nous serons en public. C'est formidable. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Au revoir et merci. Au revoir.